compte principalement pour développer le jeune État. Ainsi, sur le mont Gilboa, à la frontière jordanienne, des soldats agriculteurs viennent d'installer un camp pour défricher cette colline pelée. C'est du reste à l'inauguration de ce futur village que nous assistons. Rabbin des armées apporte ici les rouleaux de la Torah à ces jeunes soldats qui vont donc se transformer en agriculteurs pour fertiliser ces étendues pierreuses, des étendues qu'ils sont d'ailleurs déterminés à défendre. Une nouvelle partie du territoire israélien vient d'être mise en valeur. Ce camp fut dignement inauguré et la foule heureuse s'en retourne déjà vers de nouvelles terres à défricher, afin que, 2000 ans après, Israël revive sous son soleil.